Pourquoi vous la vendez? C'est toujours utile, une cave. On avait dit 9000, hein. Je vous règle tout en une fois. Vous savez, monsieur qui a acheté la cave? Eh bien, cette nuit, il a dormi en bas. Tous les jours, il vient dans les toilettes, moi, je lui dis rien. Et d'un coup, il hurle. Il me traite de sale bougnoule. Maître, j'annule la vente de cette cave. Vous allez nous rendre les clés. Ah, non. La cave, elle est à moi. Vous avez encaissé le chèque. Je rentre chez moi, puis vous n'y pouvez rien. Ce type est un négationniste qui nie les camps de la mort nazie. Tu m'as jamais dit qu'on habitait l'appartement de ton oncle déporté. Tu dis rien, tu demandes de l'aide à personne. On est frères, putain! Je sais, j'aurais dû t'en parler. Ce Fonzik, c'est un pervers. Il va établir son emprise. Moi, je me contente pas de rabâcher la vérité officielle. Moi, je suis un chercheur. Cherche mon cul, ouais. Tu nous promets que tu ne lui parleras plus. Mais moi, c'est fini, je mets plus les pieds dans la cave. La seule chose qui compte, Justine, c'est que tu apprennes à penser par toi-même. Tu fais juste que poser des questions. Des questions qui dérangent la vérité officielle. Vous avez peur de quoi? De la vérité. Sentir votre peur, c'est ce qu'il attend. Mais Simon, tu t'es rendu compte qu'il aurait pu s'en prendre à elle? Il semblerait que vous n'êtes pas propriétaire de votre appartement. Comment il me dérange pas, ce type? Je vois pas pourquoi on s'acharne contre lui. Oh! Tu comprends pas qu'il faut en finir, là? Si tu voulais vraiment prendre les choses en main, tu lui casserais la gueule à cette pourriture! Tu t'es retenu, j'espère. Il est seul, il a que sa haine. Nous, on est ensemble et on s'aime.